m'apprête à aller récupérer des dessins réalisés par des enfants du mouvement eucharistique des jeunes de ma commune sur Janzé. On espère que les dessins, ça va leur faire plaisir et pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls. L'auxiliaire de vie doit aussi faire preuve d'imagination. Regardez, madame touriste, je vous apporte un super beau dessin. Pour ses bénéficiaires, désormais privés de sortie. Beaucoup, il m'a touché beaucoup. Ça vous donne un peu de morale? Oui. La solitude leur pèse beaucoup, et ben un sourire, c'est juste génial, quoi. Bonjour Yvonne. Bonjour. Et aujourd'hui, si on faisait une petite activité cuisine, qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire des crêpes si on veut. Il nous faut la farine. Oui. Voilà. Le sucre. C'est bien du sucre, ça, oui? Oui, oui. Deux fois par semaine, on touille. Il insuffle un peu de légèreté dans l'appartement d'Yvonne, 88 ans. Allez, il faut pas qu'il y ait de trous. On se lance un petit défi. Allez. Retournez la crêpe. Ouh, ça me change toujours, parce que comme on n'a pas le droit de sortir ni rien. Ah bah oui, il faut bien qu'on s'occupe. Hein. Il faut bien qu'on s'occupe. Et qu'on mange quand même. Et on rigole bien. Et on rigole, oui. Bon appétit. Bon appétit.